Et bonjour à tous, c'est Béronard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dishonored. Alors, on va essayer de convaincre Waverly Boyle de nous suivre. Eh bien, qu'y a-t-il ? Alors, faut la jouer subtile. Alors. Oh, vraiment ? Dites-moi. Bien joué. Mais vous devez nous nommer toutes les trois pour gagner le camé. Ouais, bon, le camé j'ai déjà. On va tenter Qu'est-ce ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a quelqu'un qui veut te tuer. Quoi? Mais qui vous envoie? D'accord. Je ne veux pas mourir. Mais dépêchez-vous. Et si vous mentez, je vous ferai pendre. Ok. Bonsoir, monsieur. Alors, normalement, elle va y aller. L'exploitation des baleines pour leur huile a fait de nous un empire. Nous sommes à l'aube. Excusez-moi un instant. Elle arrive ou bien ? Merde. Ah putain de garde. Je pense qu'elle est passée. Non, c'est une servante. Elle est là. Je n'irai pas plus loin. Non, allez. Elle est là. Dépêchez, faites-la monter. Oui. Enfin, mon amour, un jour vous comprendrez. Vous avez fait de moi le plus heureux des hommes. Oui. Un jour, elle apprendra à m'aimer. Elle a toute la vie devant elle, après tout. Oui, et moi, comment je me tire de là ? D'accord. Ok. Cible neutralisée. S'enfuir et rejoindre le bateau de Samuel. Alors avant. Voilà. Puis là j'entends un petit bruit. Sympatoche. S'enfuir. Et Samuel est là-bas. Bon, et moi je suis là. Ok. Alors on va faire une petite sauvegarde avant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, j'ai pas envie. Hop. Là on peut refermer. Devenu connu. Alors éventuellement, ce que je peux faire, c'est passer par le balcon qui se trouve là, qui se trouve ici. Ok.
celui-là que je prends. C'est celui-là. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir ressortir? Vais-je pouvoir ressortir? Oui, là je sais pas où je suis. Ah oui, si je suis là. Ok, alors on se retrouve. Voilà, on est un peu mal. Oh merde, il s'est déplacé. Ça m'arrange pas ça. Ça ne m'arrange pas. Je fouille partout, hein, vous m'excuserez. Liste de mission. C'est quoi? C'est peut-être caché après la porte du canal. Oui, bah oui. Puis là, j'ai rien. Alors peut-être que... Ouais, mais là j'étais déjà venu je crois. Il me semble, cet endroit me dit quelque chose. Cet endroit me dit quelque chose. Ouais, c'est pas du tout... C'est pas du tout le bon endroit. Allez, on redescend, on redescend, on redescend. Yep. Ouais. Allez, imbécile, c'est l'heure. Merde. Est-ce qu'il y a ce coup? Hop, un de moins. On va le mettre là. Voilà. On ferme, non? On peut fermer? Non, on peut pas fermer, tant pis. Je pense qu'il doit faire mal les trucs là. Ah ouais, il a appris le truc. D'accord. Ah ouais, ça va franchement m'aider, ça. Oh putain, faut que je passe de l'autre côté. Putain, il est là.
putain, je l'avais pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, je regarde, je ne bouge plus. Putain, comment je vais aller par là-bas? Petite sauvegarde s'impose, hein. Quelqu'un vient ici. Oh putain, je vais me faire encercler. Je vais me faire encercler. L'autre, il va arriver, je parie. Allez, on se casse. Allez, vite. J'espère que la soirée vous a plu, mais allez, c'est l'heure de rentrer. Tire-toi. Et vite. Oh putain. Allons-y, allez, on y va. Casse-toi. Mon dieu. Ah, c'était moins une, là. Ok, rune trouvée 3 sur 3. Bon, bah c'est tout bon. Ouf. Après, si on a là, son plus grand soutien, le roi de l'Alain est jamais plus grand, alors est venu de préparer à frapper directement. Ouhou. Lord Pendleton a dit qu'il nous retrouverait ici. Il faudrait aller voir à la cave, perdre sa famille, ça peut donner soif. Ok. Parler à Lord Pendleton. Ok. Il est là. Vous avez bien profité de l'hospitalité des boys. Le criminel masqué pourrait se cacher dans un quartier en quarantaine. Tous les citoyens Non, sans blague. Il faut que je monte. Par ici. Il est par là-bas. Je sais pas par où passer. Là, je vais aller chez moi, là aussi, le problème. Ils peuvent pas être à des endroits plus simples. Salut, chérie. D'accord. Ah, on a déjà fouillé ici. On a déjà fouillé. Jamais à l'autre. Salut chérie. Mais bien sûr. Alors, où est-ce qu'il est, Lord Machin? Ah, il est là-bas. Dans le machin, dans le... Là. J'ai vu comment, moi, là? Sur
Voilà. Bien joué. Nous nous sommes débarrassés d'une femme et une noble de surcroît. Cette Boyle était une vipère. Elle a aidé le Lord Régent à tuer l'impératrice. Je n'ai donc aucun regret. Pour ma part, j'ai entendu que vous aviez défendu mon nom d'une façon plutôt spectaculaire et en prenant des risques. Je tiens à vous remercier. Ce petit objet a aidé ma famille depuis des générations. Mais je crois qu'il vous sera bien plus utile qu'à moi. Alors, prenez-le. La nuit a été longue pour vous, Corvo. Mais elle n'est pas encore finie. Avlok et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Ils veulent vous voir tout de suite, dans les quartiers d'Avlok, au-dessus du bar. Ouh, nouvelle rune ajoutée. Cool. Ils sont où ? Ah, au-dessus du bar. Donc ça va être là, c'est ça. Oh. Alors, où sont-ils ? Putain. Votre attention. Où est-ce qu'ils sont ? Ouais, ils sont bien à l'intérieur du truc. Bonjour, monsieur. Ah ouais, là, c'est vraiment tout... D'accord. Ok, bah écoutez, j'y vais, le temps de trouver où c'est, et puis on se reprend. Allez, on se reprend. J'entends, je sens quelque chose. D'accord. J'avais entendu. Quelque part dans les chiens s'entretuent et l'argent change de main. C'est cela, oui. Lettre anonyme, tu donc. Ok. D'accord. Une fois, je me suis invité à une fête chez les Brimsley. C'était plutôt bizarre. Je vais attendre un peu. Votre attention, citoyens de Dunwall. Vous êtes urgemment invités à présenter vos enfants de 7 à 10 ans aux tests soumis à l'abbaye. En tant que superviseur, il sera subvenu à l'ordre. Corvo ? Émilie se cache encore. Ah. Au début, c'était un jeu, mais c'est devenu une façon pour elle de se moquer de moi. Si vous la voyez, envoyez-la moi. Elle doit faire ses devoirs. Recherche quoi ? Émilie dans le pub ? Oui. Oh. Je suis jamais allé par là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Comment est-ce qu'on peut aller par là-haut? Ah, est-ce que je peux passer par là? J'y suis. Et je lui dis, oui, même l'impératrice doit étudier. Vous aurez des précepteurs, un pour chaque matière et des domestiques à votre service. Et j'aurai des espions? Probablement, je lui réponds. Et des conseillers si nombreux que vous ne saurez plus quoi en faire. Elle veut un pâtissier. Je lui ai dit qu'elle aura une armée de cuisiniers, les plus grands cordons bleus. Et bien sûr, elle veut savoir si elle aura du gâteau tous les jours. Je lui ai dit, si tel est votre souhait, madame l'impératrice. Ce qui l'a fait hurler de rire. Elle est parfois si triste à ruminer ses souvenirs. Il lui rappelle sa pauvre mère. Cela fait 6 mois et Émilie est forte. Mais je l'entends parfois pleurer alors qu'elle m'a endormie. On est où là? Eh, on est chez moi. Ah, ça y est, j'ai trouvé, je crois. Ah, là voilà. Je joue à cache-cache. Calista essaie de me trouver. Nous aimons bien ce jeu. Toi, tu l'aimes bien, mais j'ai elle... aussi joué à cache-cache avec toi. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est si drôle de me cacher. Tiens, j'ai trouvé ça au bord du fleuve, dans la boue. Je l'ai mis sous mon oreiller pour me porter bonheur, mais ça m'a fait faire des cauchemars. Je te le donne. Cadeau. Je crois que je vais faire mes devoirs maintenant. Jouer à cache-cache, ça m'ennuie au bout d'un moment. Ouais, c'est ça, va faire tes devoirs. Ouh, une rune. Bon, bah écoutez. Ok, ok. Bon, du coup, on va aller voir machin. Amiral Chose. Je pense qu'on terminera là-dessus. On va voir ce qu'il nous dit. On enchaînera la prochaine mission après. Ah non, c'est vrai qu'on les avait vus, ils étaient par là. Là. Allez, c'est parti. L'heure est venue. Tout ce que nous avons fait, tout ce que vous avez fait, oui, c'était pour que ce moment arrive. Le Lord Régent est exposé, Corvo. Il est vulnérable. Tout est maintenant en place pour s'en occuper. Nous sommes à 2 pas du trône. Un seul homme. Un seul cœur qui bat. Voilà tout ce qu'il reste des forces qui ont amené cette ville au bord de la ruine. C'est simple, mais ce sera tout sauf facile. Le Lord Régent est plus paranoïaque que jamais. Il n'a plus le soutien des superviseurs, ni du Parlement. Il n'a plus de financement et il n'a plus Sokolov, qui a créé sa technologie de sécurité. Mm-hmm. C'est à Dunwall Tower qu'il a rassemblé tous les hommes qui sont restés loyaux envers lui. D'accord. Il sait que quelque chose se prépare. Il sait... que vous venez, et il faut tout faire pour lui donner raison. Pierrot va vous assister, puis Samuel vous rapprochera de la tour, près de l'écluse. Tout ce cauchemar a commencé lors de votre dernière venue là-bas. Il est temps d'aller y mettre fin. Bonne chance, Corvo. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus, sinon que nos espoirs reposent sur vous. Ça, clairement, c'est clair que depuis le début... bon, et ben écoutez, je vais peut-être aller voir Pierrot, je sais plus, avant de partir.
Vous voulez que je fabrique quelque chose pour vous? Oui. Je peux tout faire, enfin presque. Allez. Chronome grimpante. Wow. Amélioration. Alors, j'ai 4000 heures, d'accord. En fait, les pistolets, je m'en sers pas tant que ça. Oh, bon ben. Allez, on se reprend et on va se quitter ici. Donc, en allant avec Samuel. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Dishonored. Ciao, ciao.